Et bonjour, scrappeur de France de tout pays, comment allez-vous? Bon, ben nous revoilà. Bon, oui, toujours en tenue de combat, mais bon, il a fallu que je m'arrête à un moment donné, et puis que là, je recommence et je fais des pauses, et puis voilà. Bon, et bien aujourd'hui, je reviens pour vous donner des nouvelles de Nénèle. Mais Nénèle, la vie, elle change. Mais je vais vous baisser sur elle, parce que là, je viens de lui faire à manger, mais bon, lui donner à manger, mais mademoiselle, elle ne veut pas ouvrir le bec. Regardez ce que je lui ai fait à cette demoiselle. Je ne suis pas très bien centrée là. Là, voilà. Alors on va lui mettre un petit peu d'eau pour qu'elle se nettoie le bec. Ah, vous voyez? Regardez. Vous savez, c'est les pipettes que j'ai. Vous avez dit que je m'en servi, ça servirait pas que pour la résine. Voilà. Et puis elle boit et puis elle se nettoie le bec, elle, toute seule là maintenant. Voilà. Là, tu l'as sous le bec, là, la goutte d'eau. Eh? Eh, ma ninelle. Oh, ma pupuche. Eh oui, alors j'ai pris un carré de bois, j'ai percé des trous, j'ai mis des tourillons. Alors, les tourillons, ça sert à faire des chevilles. Puis j'avais une branche d'arbre, et j'ai percé la branche d'arbre. J'ai tout un filet dedans. Ouais, c'est un peu de travail, on s'en fiche. Hein? Et puis là, ici, de ce côté-là, vous ne le voyez pas parce qu'elle est dessus. Ah, attendez. Il y a un petit trou. Il y a un petit trou là. Ici, vous ne le verrez pas, mais là, il y a un creux. Et quand elle va commencer à vouloir ouvrir le bec toute seule, parce que mademoiselle, elle est un petit peu fainéante. Voilà. Hein? J'ai ici un petit peu fainéante, dit. Je vois pas le bec. Vous voyez, elle a quoi, un ou deux duvets encore, elle se. Voilà. Alors, par moment, mais je la laisse là un peu, puis jusqu'à ce qu'elle rentre dans le nid, parce que moi, je la mets pas dans le nid maintenant. Il faut qu'elle y aille toute seule. Voilà. Hein? C'est pas mignon, ça? C'est pas mignon? Tu leur dis bonjour. Tu leur dis bonjour. Tu leur dis bonjour. Oh, tu leur dis bonjour. Ah, dis-moi ça, si elle est vive. Eh? Mais là, ça. Le fait est qu'elle ouvre toujours pas le bec. Elle va avoir. Je l'ai eu le 28. Alors 28, 27. Non, 27. Après 28, il n'y a pas 27. C'est 29, 30, 31, 32, 33. Oui. On recommence à zéro. 29. 30, 31, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. On est le 10, voilà. Donc elle a, je ne sais plus compter. Je recommence. 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, le 7, et 10, je sais plus, bon, c'est pas grave, on s'en fiche, et ma pupette, ah oui, mon doigt, oui, tu voudrais le manger, mon doigt, quand elle voit mon doigt, oui, elle ouvre le bec, et dit, mais là, tu viens de t'enfiler, tu viens de t'enfourner, une vingtaine d'asticots là, hein? Oh, je lui coupe, rassurez-vous, hein? Mais il faut lui ouvrir le bec, il faut encore la gaver. J'ai arrêté par contre la gavage à la seringue. Là maintenant, ah ben voilà, je m'étire. Regardez ça. Regardez-moi ça. Elle s'étire, ce matin elle s'est fait la toilette, elle s'est lissé les plumes. Et? T'es fait la toilette, tu t'es lissé les plumes. Hein? Et puis elle est restée, oh, une bonne. Enfin, moi, je suis restée quand même 3 quarts d'heure avec elle. Ou pas loin. Ben, ça va, quoi. Heureusement que j'ai mis ce qu'il faut dessous. Hein? Voilà. Puis déjà, ça la prend à se tenir comme il faut. Et comme je vous dis, je suis en train de me retapisser l'atelier.
Ça y est, j'en ai fait la moitié, mais j'ai chargé quand j'ai bougé les calaxes. Parce que j'en avais un sur l'autre et toute seule, il a fallu que je trouve un juste équilibre pour pas me faire mal, mais bon, ça fait rien. C'est pas grave. Après, quand ce sera fait, ce sera fini. Oh, tire. Oh, ça fait du bien, hein. Oh, oui. Oh, oui. Hein? On va être content de te voir et t'en pas revu depuis le début de la semaine, presque. Ah, vous voyez, elle se fait ses trucs, elle s'arrange ses plumes, tout ça. Et oh, elle n'est pas encore adulte. Elle est bientôt à son poids. Elle est bientôt à son poids. Et puis hier, elle faisait plus de 21 grammes. Eh oui, tu fais plus de 21 grammes. T'as bientôt ton poids d'adulte. Ah, et tu fais la toilette. Voilà, vous voyez, elle fait sa toilette. Toute seule. Et parce que moi, je vais pas lui faire avec le nez. Eh, elle va pas te le faire avec le nez. Dis, eh coquine. Eh coquinette. Eh coquinette. Et dis, et ma pépette. Là, ils sont contents de te voir. Oh, puis tu les regardes, c'est bien. Oh là là, mais t'aimes ça, dis donc. Et tu vas monter à Paris, tu vas faire du cinéma. Hein? Tu vas monter à Paris, tu vas faire du cinéma. Dis. C'est une corvée, mais je croyais pas tant que ça, mais finalement, ça va, tu te laisses aller un petit peu, hein? Voilà. Comme ça, vous la voyez, elle peut se bouger, se faire. Le naturel reprend le dessus, quoi. Eh oui, tu vois? Ah, mais oui, tu te vois. Là, c'est comme un chien quand il se regarde dans une glace. Il croit que c'en est un autre. Oh, et ça gratouille. Oh, mon Dieu. Oui, oh, ça fait du bien. Oui, oh, ça fait du bien. T'entends du bruit? T'entends du bruit? Et Nenelle? T'entends du bruit? Voilà, elle est là. Elle fait son petit train-train. Voilà. Et ce petit train-train, elle ne vole pas encore, mais bon, elle vient bien sur le bord du nid et tout, là, maintenant. Et là, bien sûr, c'est un peu haut, mais bon, c'est un peu bas, je veux dire. Le truc est un peu haut, mais c'est pas grave. Étant donné que les ailes sont grandes, faut savoir. J'ai fait de mon mieux pour reproduire un petit peu les. Le milieu naturel, bien que c'est pas naturel, donc. Mais c'est vrai que là, ça commence à. Le fait est qu'elle ne veuille pas manger toute seule, que. Ça m'inquiète. Parce qu'il va falloir un jour qu'elle apprenne à manger, qu'elle mange toute seule. Et bon, les parents les nourrissent, une fois qu'ils sont adultes, une fois qu'elle vole, les parents les nourrissent encore une semaine, mais bon. Moi, c'est la première fois que j'ai une hirondelle et que. Oh, tu te fais toute belle. Ouais, mais ça va, hein, t'es pas obligé de. Hein? Dis. Hein? Dis donc. Coquine, tu viens là? Tu bouges un peu? Tu bouges un petit peu? Et quoi? Mais je te prendrai pas sur mon doigt. Ah, parce que maintenant, le moment, je suis jusque sur l'épaule. L'autre jour, elle a fait me monter sur la tête.
Ah, j'ai dit non, là, pas non. Ah, non, non, non. Je m'étais douché, je m'étais lavé la tête et tout. Bon, la tête, je me la lave pas tous les jours, mais enfin, je me lave tous les jours. Elle voulait me monter sur la tête, mais. Hein? Dis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Voyez un peu ça, si là il y a de l'évolution. Elle a encore un petit peu de duvet là. Un peu. Voyez, j'approche mon doigt, elle ouvre le bec. Par contre, j'approche la pince. Regardez. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Voilà. Ou alors, il faudrait peut-être que je fasse comme ça, elle ouvrirait peut-être un peu plus le bec. Et non, j'approche mon doigt. Là, elle a pas peur, elle se méfie pas. Mais là, elle approche sur la pince. Oh, tu m'as fait mentir. Oh, chameau. Oh, petit chameau. Tu m'as fait mentir. Oh, t'es une coquine, toi, hein? Bon, ça va peut-être venir. Peut-être qu'il faudrait que je mette mes doigts plus près que. Alors, essayez. Peut-être venir avec un peu de patience. Et tu tords la tête. Elle te sort, te tord la tête. Moi, je me tords pas la tête comme ça. Il y a des moments, on dirait qu'elle se tord la tête à 90 degrés. Ouais, ben, tu fais la belle là et tu fais la star. Hein. Tu fais la star. Hein? Dis, tu fais la star? Tu fais la star. Allez, ta toilette. Ouais, ce matin, j'ai laissé en pas trois quarts d'heure. J'ai dit trois quarts d'heure tout à l'heure, non, mais pas loin d'une demi-heure quand même, comme ça, perché. Et dis. Ah, puis ça lui fait du bien un petit peu de voir le jour. Et puis la fenêtre, elle est ouverte là. Parce que j'ai ma ring light, je sais pas, la grande là, sur pied, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un souci, elle veut plus, elle s'allume plus. Enfin, le machin, il s'allume, mais je dois avoir quelque chose qui a dû griller. Pourtant, elle n'a pas pris un pet, ni rien. Elle me ferait suer. Je vais pas en racheter une autre, une grande comme ça. Tant pis, hein. Mais débrouiller avec ce que j'ai. L'autre, c'était bien, j'ai pu dévisser, je savais d'où ça venait. Mais là, si ça vient du truc, si c'est l'ampoule qui est grillée, je ne sais pas quoi faire. Que je ne sais pas quoi faire, a dit, hein? Je ne sais pas quoi faire. Voilà, et ma belle. Oh ouais, tu te tires les ailes. Et, oh, tu te tires. Dis. Ah, oh, puis elle n'est pas complètement adulte parce que bon, sa queue, elle est encore petite. Excusez-moi si je tousse, c'est les allergies au pollen. Hein. C'est gratouille, ça chatouille. Hein? Ça te gratouille ou ça te chatouille? Allez. Ah, ça c'est. Hein? Peux vous dire qu'elle m'a baptisé la main et le bras ben, pendant un moment. C'est toute cette semaine, à chaque fois qu'elle est grimpée sur le bras, jusqu'à ce que je lui fasse ça. Parce qu'il y a un jour, eh bien, j'avais tellement mal que je ne pouvais plus marcher. Alors, je me suis attrapée ce qu'il fallait, et puis je me suis mis assise, et puis j'ai fait ça. Voilà. Et oui, dit. Et oui, dit. Et mademoiselle. Et mademoiselle Ninelle. Et mademoiselle Ninelle. C'est qui, Ninelle? C'est toi?
C'est toi, Ninelle? Hein? C'est toi la poussinette? C'est toi la petite poussinette? Oh oui, dis. Quoi? Hein? Oh oui. Et vu qu'on me saute la tête, on ne me tord pas la tête comme ça, moi. Hein? Je vais rester coincé, hein? Dis. Je vais rester coincé, moi, si je fais comme toi. Oui. Ah là, dis. J'ai bien profité, j'ai grandi bien. Tiens, fais voir ta petite queue. Fais leur voir ta petite queue. Tourne. Tourne. Voyez, la queue, elle doit être beaucoup plus longue encore. Voyez, elle n'est pas encore. Elle n'a pas une queue encore. Je ne sais pas si vous le voyez. J'arrive à vous le faire voir. Voyez, elle part en pointe, mais. Là, de chaque côté, ça doit être encore plus long. Et ça, c'est que et les ailes, c'est pareil, dit. Et les ailes, c'est pareil, dit mademoiselle. Hein? Oh, tu regardes. Oh, ouais. Tu regardes la caméra. Oh, tu me regardes à moi maintenant? Hein? Oh là là, mon Dieu. Oh, tu fais. Oh là là. Et tu m'étires, dit. Oui, je m'étire, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Oui, c'est trop mignon. Ah, ça y est, tu retournes le derrière maintenant. Non, mais dis donc. Ah, mais vous la voyez, sa queue maintenant? Ah là, elle doit partir encore plus en pointe. Qu'elle doit partir encore plus en pointe, ça. Hein? Et mademoiselle, quoi? Tu voudrais te lancer, mais t'as peur. Hein? Tu voudrais te lancer, mais t'as peur. Hein? Dis. Hein? Ah oui, non, mais si je ne mets pas de l'autre côté, c'est bon, quoi. Alors que je revois un petit peu mon système, là. Hein? Tu es tout petit. Oh, tu es tout petit, ça fait du bien, ça. Et puis t'aimes ça. Oh, t'aimes ça. Oh, ouais, tu lèves la tête. Oh, t'aimes ça, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, dis. Et ma pépette. Allez, tu vas te tourner maintenant. Tu vas leur faire voir comment tu fais pour aller dans le nid. Exceptionnellement, là, je vais lui approcher. Mais d'habitude, là, maintenant, j'essaye de ne pas lui approcher. Allez, tu y vas? Allez, tu y vas? Allez. Eh bien oui, il faut faire la sieste, hein. Les bébés font la sieste. Bon, tu te décides? Non, t'as pas envie. Et tu vas pas être aussi têtu que moi, dis. Tu vas pas être aussi têtu que moi. Ben, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te décides? Tu te décides? Oui, non, pas non, elle n'a pas eu de rond, mais bon. Ah, ben. Alors? Alors? Petit peu quelquefois et voilà je suis dans mon nono, voilà, je suis dans mon nono,
Et voilà. Et ma belle. Voilà. Bah, et bêtais, vous aurez eu 20 minutes de petit bonheur. Mes petits bonheurs de tous les jours que je fais quand entre deux poses de poses de tapisserie. Et entre deux poses, bah oui, enfin bon, vrai, je pose la tapisserie, mais bon. Malheureusement, je peux pas faire. Mais heureusement, j'ai choisi d'aller me tisser, j'ai bien fait. Je peine moins, c'est ça. Et puis ça va mieux, ça se passe mieux. Et tu me regardes? Tu me regardes? Oh ouais, t'es mignonne. Heureusement que j'ai mis un peu des trucs pour cacher la vue, parce que sinon, chaque fois que je passe, c'est vrai que je n'ai jamais sifflé. Ça t'interpelle, ça. Mais non, c'est pas toi que j'appelle, Titi. Mais non, c'est pas toi que j'appelle. Ah, ça l'intrigue, ça. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce. Je ne sais pas, j'essaierai de vous faire un tuto. Oui, j'ai quelque chose en vue, mais bon, je voudrais pouvoir finir de certaines choses, surtout avant mardi, puisque mardi, bon, on vient pour tous les ouvriers, enfin les ouvriers, les chefs de chantier viennent pour voir pour ma salle de bain. Mercredi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Voilà, bon, là, je vais me prendre une abonnée, mais bon, c'est pas grave, et ça rentrera d'un côté, ça sortira de l'autre. Fais ce que je veux. Voilà. Et puis, je vais essayer quand même de vous faire un petit quelque chose cette semaine, parce que là, c'était programmé jusque-là. La dernière que vous avez eue, c'était programmé. Mais là, depuis, j'ai rien refait et je me suis surtout occupée de là-bas. Donc, et je m'occupe d'elle parce que ça prend du temps. Parce que cette petite bête-là, maintenant, c'est toutes les 2 heures. Alors, heureusement, c'est pas la nuit, mais enfin, bon, ça fait qu'il y a des moments. Alors, faut laisser ce qu'on fait pour venir s'occuper d'elle. Maintenant, c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi de la récupérer, de m'en occuper, de la soigner, d'essayer de lui donner le droit de vivre, comme tout le monde, comme tout être vivant. Je ne vais pas dire tout être humain, mais tout être vivant. Voilà. J'essaye de lui redonner cette chance. Et puis, si j'y arrive, tant mieux. Et là, je sais, bon, ben, elle est sauvée, mais je voudrais qu'elle arrive maintenant à commencer à voler un petit peu, elle remue ses ailes, elle se met sur le bord du nid, dans la caisse, et elle se remue les ailes. Mais bon, là, c'est l'apprentissage du perchoir, il n'y a que 2 jours. Hein, alors, aujourd'hui, c'est le troisième. Mais bon, voilà. Je l'ai fini que jeudi soir, en fin de journée, alors, en fin d'après-midi. Voilà. Donc, et ben voilà. Bon, et ben sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end à tous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux messieurs, parce qu'il y a des messieurs. Et aux commentaires très, très aimables qu'ils laissent. Ça, c'est. Et voilà. Donc, j'aurai pas ni à ronchonner, ni à rouscailler, ni à rouspéter. Voilà. Et puis, et ben je vous dis des gros câlins. Des gros bisous et à des chats dans une prochaine vidéo. Salut!